Bienvenue à Fast and Magic. Duvigné Wallet, ça c'est un truc que j'ai inventé il y a plein d'années, plein de décennies. Et puis au bout d'un moment, on n'avait plus le fabricant pour fabriquer comme il faut. Donc ça a eu un gros long moment sans. Et depuis là, 2 ans, 3 ans, on a réussi à retrouver un fabricant qui refait le Duvigné Wallet comme il faut. Et ce portefeuille, évidemment, il peut faire Imber, Caps, plein de choses. Mais il fait aussi un truc qu'aucun autre portefeuille fait. Notamment, voilà, on prend une carte de crédit. On la met à l'intérieur, on ferme, poum poum, disparaît. Oh ben là, c'est net. Sauf que dans le zip, en une fraction de seconde, alors que pourtant, bah, c'est pas possible que ce soit dans le zip, tu vois. Mais ben si tu regardes, eh ben, c'est la bonne carte qui a réussi à passer dans le zip. Et ça, il n'y a aucun autre portefeuille qui le fait, à part le Duvigné Wallet. Et je ne vous dis pas le nombre de routines qu'on peut faire avec ça. Voilà, c'est incalculable. Tout niveau et fastoche. Voilà, portefeuille en cuir, pleine peau, très beau, pas très cher. Pas assez cher, mon fils. Deux anneaux. Pour les gouverner tous. Plutôt bien. Des anneaux, quoi. Par contre, si tu as le superbe petit veston que j'ai, tu frottes l'anneau sur la matière et tu vas pas le croire. Ça tient. C'est un truc de malade. Tu peux même faire tournoyer légèrement. C'est fou, non? Pour rompre le charme, très simple. Il suffit juste de claquer les doigts. Alors, je vais me rapprocher du tapis parce que vous allez voir, je vais le faire. Je vais essayer de faire synchrone. Et on peut bien sûr tout examiner. Non. Je te le dis. Il faut l'acheter absolument. Hein. Hyper bien. Mon précieux. C'est le moment du client content. Oui, parce qu'on a la chance d'avoir plein de clients satisfaits. On en a. Qui nous envoient des petites vidéos. Alors, ils sont amateurs, mais n'empêche qu'ils ont envie de faire leur truc, ils nous montrent, c'est quand même vachement sympa. Amateurs, mais ils touchent quand même, faut le faire. Tu m'étonnes. Donc, merci à eux et bon visionnage. Je ne sais pas pour vous, mais moi qui fais beaucoup de tours de petits paquets, je suis toujours embêté parce qu'il faut que je prenne le temps de sortir les cartes de mon jeu, ou bien il faut que je prenne le temps avant de préparer mes cartes, mais ça m'embête toujours. Et en allant à Mayette Magie Moderne la dernière fois, j'ai découvert l'arme ultime, l'arme fatale de poche. Une pochette, sobre, élégante, avec 2 espaces de rangement. Pause. 100% plastique, mais j'ai découvert en plus qu'elle avait des propriétés magiques. Si je fais ce mouvement-là, et bien magiquement, une carte se retourne. Et à chaque fois que je refais ce mouvement-là, une carte de plus se retourne juste avec cette pochette. Alors, je vous ai dit que j'avais 2 espaces de rangement. Et bien, si je fais 2 fois le mouvement, et ben hop, les cartes voyagent d'un réceptacle à l'autre. C'est fort. Mais par contre, la propriété de retourner une carte supplémentaire fonctionne toujours. Alors effectivement, j'ai toujours des chagrins qui diront qu'avec 52 cartes, je ferai nettement plus de tours qu'avec un petit paquet. Mais c'est bien pratique quand même. Je réinitialise. Et les cartes reviennent toutes dans le bon sens. L'arme fatale de poche. Mayette Magie Moderne. Hey, c'est nous. Et alors là, aujourd'hui, c'est Gaëtan Blum qui va vous faire des choses. Trop bien. Il va vous parler à chaque fois d'un nouveau produit. Bon, bah, on lui laisse la parole. Ouais. En v'là du Blum, en v'là, et c'est du bon, croyez-moi.
Et c'est même du très très bon, parce que alors là, Dominique, il a eu l'idée du siècle, on va dire, bah ben oui. Il a fait une compile, en fait, de trois anciennes vidéos qui étaient les fils indirects, le FP, vous savez ce que c'est, le FP, et puis la magie générale. Alors là-dedans, il y a des petits bonheurs à moi, comme la carte qui tient debout, comme les boutons à travers la table, le foulard qui change de couleur, ça c'est 5 minutes de bonheur, le foulard dans les oreilles, vous avez le foulard dans le petit pain, vous avez des tas de choses, le porte-clés bien sûr, une petite merveille. Enfin, je suis prétentieux en disant ça, mais c'est vraiment mes petits bébés que j'adore. Hein. Et puis alors, dans la magie générale, vous avez même la corde serpent, le jeu frère, le dé qui vous permet de faire des tas de choses, les pompes à vélo et le Polaroid quand même. On est sur du lourd de Bloom, quoi. D'autant plus qu'il y a un bonus masterclass avec la pêche à la ligne carrément et un interview avec Dominique. Alors, hein, faut pas s'en priver. C'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.